Let's punch it. Punch it! Hello, we are Chloé, Roman, and Zoé. We come from the Lycée Xavier-Marnier near Besançon. We have realized an interactive coach of box. The aim of the project is to train beginners in boxing without coach. It's allowed to learn some various shoots of box, such as jab, cross, hooks. Now, let me present to us our project in French. Lors de la rédaction du cahier des charges, nous avons décidé que notre projet devait comporter un bras rotatif proposant trois positions. Nous avons aussi exigé de notre système qu'il s'adapte à la taille du boxeur et qu'il propose deux niveaux de vitesse différents. Il devait mesurer la force des coups et le temps de réaction du boxeur et à la fin de l'entraînement, envoyer les résultats sur le téléphone. Afin de concevoir le système, nous avons réalisé des expériences qui nous ont permis de déterminer la force moyenne d'un coup qui est de 420 N, ainsi que la vitesse de frappe moyenne d'un boxeur qui est de 1 coup toutes les demi-secondes pour un professionnel. De plus, la rotation de la pièce doit se faire en 0,4 secondes pour un demi-tour. Nous avons créé la pièce principale sur SOLIDWORKS et réalisé diverses simulations de contraintes pour tester la résistance des matériaux et les déformations. Pour le socle, nous avons utilisé un pied de parasol et un tube de trottinette. Recyclé. Lors d'une séance qui dure 3 minutes, le temps d'un round, le bip émet trois signaux sonores pour avertir l'utilisateur du démarrage. Par la suite, il émet un signal pour prévenir que la patte d'ours est en position et que le boxeur peut frapper. Les positions sont générées de manière aléatoire par le programme. Pour mesurer la force, lorsque le boxeur frappe, il comprime un ressort qui entraîne un potentiomètre linéaire relié à une entrée analogique de la carte de commande. À la fin du round, les résultats sont envoyés sur le téléphone via une liaison Bluetooth. Le boxeur peut y trouver son temps de réaction moyen, son meilleur temps de réaction, sa force de frappe moyenne et son coup le plus fort ainsi que le nombre de coups qu'il a réussi. D'autres traitements statistiques peuvent être réalisés comme des diagrammes boîte moustache qui modélisent la force médiane du cou en fonction de la position. Actuellement, pour le niveau expert, notre prototype réalise une rotation de 180 ⁇ en 0,9 secondes pour un temps immobile de 0,5 secondes, soit un écart de 50% par rapport au cahier des charges. Nous avons tenté quelques améliorations sur le moteur, mais en accélérant la vitesse de celui-ci, la courroie sautait des pas. Ce projet nous a permis de mêler informatique avec la programmation, mécanique, notamment résistance des matériaux, cinématique et statique, ainsi que mêler mathématiques pour le traitement statistique.